Et salut tout le monde, c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Forge. Cette fois-ci, je vais vous présenter la carte Asgard, forgée par Chevalier Loubra ou Léo Chuck sur le forum. C'est une carte BTB Assassin et CTF, adaptée pour des équipes de 5 à 8 joueurs. C'est une carte asymétrique forgée dans le style de la planète Méridiane de la campagne d'Halo 5. Sur cette carte, Chevalier Loubra reproduit, adapté ou créé des bâtiments dans ce style, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est plutôt convaincant. Globalement, la carte est assez petite, mais bon, l'absence de véhicules, sa taille est tout à fait adaptée à des combats en équipe nombreuse. En plus de ça, sa configuration assez complexe et la possibilité de monter sur certains toits, ça en fait une carte qui est plutôt dynamique. On notera aussi le grand nombre de petits bâtiments qui rendent les contacts rapprochés et violents. Finalement, je l'ai quand même trouvé bien adapté à du BTB parce que les combats restent fluides, ils sont pas trop désorganisés et assez bien répartis sur la carte. Une fois en jeu, les camps sont relativement équilibrés. On notera un léger avantage de l'équipe rouge, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une carte asymétrique, et donc que c'est plutôt normal. Le seul défaut qu'on ne peut pas vraiment occulter, ce sont les ralentissements qu'on va avoir, notamment bordure de carte, qui sont dus à la mauvaise optimisation du mode forge, donc Chevalier Loubra n'y peut pas grand-chose, mais pour le gameplay, il faut quand même le préciser. Côté armes, on va voir de quoi s'amuser. On va noter la présence d'un Rocket Halo classique en milieu de carte, d'un Railgun en milieu côté éolienne et d'un fusil à pompe situé dans l'un des hangars. Pour revenir plus en détail sur l'ambiance de la carte, l'esthétique de Meridian est vraiment très réussie. Que ce soit au niveau de l'architecture, de la terraformation ou du jeu de lumière, on ressent bien le côté un peu éloigné de tout, presque désolé que l'on pouvait ressentir en campagne. Faut aussi noter que le forgeron a pris soin d'intégrer plusieurs scripts sur sa carte, notamment au niveau des éoliennes ou de la cinématique d'intro. C'est un petit détail, mais qui rend vraiment plutôt bien. Au final, j'ai trouvé cette carte remarquable. Il y a un travail sur les textures et l'ambiance absolument énorme, et là encore, c'est rare de tomber sur une carte aussi détaillée, et ça fait plaisir. J'ai vraiment trouvé impressionnant la capacité de Chevalier Loubra à sélectionner les bonnes textures pour les bons bâtiments, ce qui rend un résultat vraiment bluffant. Bref, vous l'aurez compris, cette carte, je suis fan, et comme toutes les cartes qu'on présente, c'est un francophone qui l'a forgée. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur sa carte et à lui faire part de vos retours. C'en est fini de cette vidéo, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez avoir une chance d'avoir une carte présentée en vidéo, présentez-la sur le forum dans la catégorie Forge. Sur ce, je vous laisse et vive Halo!